Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce top 10 du mois de mars. Mon frangin, on va voir ensemble les 10 plus belles paires du mois de mars 2017. Mais d'abord, comment ça va la mif? J'espère bien. En tout cas, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait le tirage au sort du concours ultra lourd que j'ai organisé avec Opium pour la Air Jordan 4 Cause. Mais comme cette émission est déjà enregistrée, je donnerai son nom dans l'émission de demain dimanche. Ok les frangins? On repasse au top 10 de mars. Je vous rappelle que je ne prends pas que mes goûts personnels en compte. Il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en compte, hein. L'originalité, l'histoire, la cote, le shape, etc. J'essaye vraiment de faire un top 10 le plus neutre possible. Un top 10 réaliste en gros. Un vrai top 10 quoi. Le top 10 du mois. Sans plus attendre, on n'attend plus. Sneaks of the month. Top 10, c'est parti. Numéro 10. Collaboration Ricardo Tisci et Nike Lab pour un modèle Air Max 97 Mid, sorti le 23 mars à 190€. Numéro 9. Collaboration très excentrique entre Alexander Wang et Adidas Original, avec une Adidas AW, donc Alexander Wang, Run Classic, Run Clean White, le 4 mars à 180€. Numéro 8. Sneaker Exchange oblige triple collab entre Keith Naked et Adidas Consortium pour ces deux modèles CS2, sortis le 4 et le 11 mars à 200€. Numéro 7, la Nike Lab Air Vapor Max Triple Black, sorti le 26 mars, Air Max Birthday, en édition limitée à 210€. Numéro 6, gros succès Adidas, les Nike Runner Boost ont été sold out comme prévu le 1er mars à 120€, mais ne vous inquiétez pas, d'autres colorways sont en cours d'arrivage. Oh mais. Numéro 5, le retour des modèles OG Air Max One, Red et Royal, édition 2017. À tout péter, c'était obligé. Ces paires-là, c'est le classique du classique. En 1987, Tinker est passé au niveau supérieur. Avec ces deux modèles à 140€, sortis le 9 mars pour la Royal et le 4 mars pour la Red. Numéro 4, révolution en marche avec les Nike Air Vapor Max Pure Platinum et Vapor Max OG Red. Les deux premiers modèles officiels de la Vapor Max. Le succès fut au rendez-vous le dimanche 26 mars 2017, 30 ans après la Air Max One OG, le Birthday se rapproche du concept de base, marcher sur de l'air. La Vapor Max OG Red était plus limitée que la Vapor Max Pure Platinum, forcément. Les paires sont sorties à 210€. Numéro 3, là on rentre dans un level les gars, à partir de là on monte d'un cran. Avec la Nike Air Max One Master, une paire en édition ultra limitée qui reprend par patch tous les succès de la Air Max One, Chlorophyll, Pata, Kid Robot, OG Red, j'en passe et des meilleurs. La paire s'est arrachée le 11 mars à 160€. Sans oublier la Friends and Family en White, modèle ultra extra limité, juste pour quelques privilégiés bien heureux. Numéro 2, le pack Atmos, Air Max One et Air Jordan 3. Une lourdeur indescriptible. Pour ces deux modèles que j'ai eu la chance de vous présenter, bien sûr j'inclus dans cette deuxième position la Air Max One Atmos sortie seule également, même si le pack était un cran au-dessus, avec certains détails que vous pouvez voir dans mon OMG Sneakers. Sur le sujet, ce pack extraordinaire est sorti le 18 mars à 400€ et la Air Max One Atmos seule le même jour à 150€. And the number one is... la Air Jordan 4 Cause, hein, bien évidemment, pas de suspense. Qui est à mon sens une des plus grosses collaborations Jordan Brand de l'année. Que tu aimes ou non Jordan, cette paire va au-delà de ça. C'est une œuvre d'art signée par l'artiste Brian Donnelly, aka Cause. Sortie hier vendredi 31 mars. Au prix de 350€. It's done, family. Bien sûr, il y a aussi la partie Challenger, hein, des modèles qui étaient en réflexion pour ce top 10. Il y en a plusieurs, forcément, comme la Spigia Rosa de Bate et Diadora. Les Vapor Max comme des garçons, celle-là, je les ai pas mis non plus parce que c'est une réédition, c'est pas vraiment une réédition, mais voilà. Pata, Diadora, S8000, Formpo, Silver Surfer, Air Max Uptempo, Concept, New Balance, 990, V2. Bref, croyez-moi, c'est compliqué. Et il y en a toujours plein. Mais mon classement se base sur une réalité, et non uniquement sur des goûts personnels. N'oubliez pas ça. Si tout va bien, on se retrouve demain, dimanche 2 avril, à 20h, pour un OMG Sneakers plus que lourdissime, brother. D'ailleurs, n'oubliez pas, demain, 2 avril, c'est le Sneaker Side à Toulouse, ok? Au parc des expositions de Toulouse, vous avez un salon de la sneakers qui s'appelle Sneakerside. Ok, c'est demain, à Toulouse. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Portez-vous bien. À demain, 20h. Here be bad.